Mercredi 17 novembre 2021. Bilan partiel, opération à perpéter, du 21 octobre à date. Et ensemble d'opérations sérieuses à perpéter, c'est sur tout le département, notamment à la direction centrale de la police judiciaire. En total, gagné 760 arrestations de fait, dont une soixantaine pour enlèvement, complicité d'enlèvement, détention illégale d'armes, trafic de drogue, trafic de marijuana, assassinat, association malfaiteur, viol. Gagné 5 personnes qui malheureusement mourent dans l'accident de circulation, et 15 autres qui blessés, toujours dans l'accident de circulation, et 2 tués avec des armes blanches. Pour PPT, il y a 15 armes que la police saisit et confisqué du 21 à date. Suite à l'opération dans l'Ouest, la police menait mardi hier, dans un dépôt qui est le CAI Nantiga. Côté que la police saisit 4 fusils d'assaut au calibre 5.56, 5 pistolets de calibre 9 mm et la police procède à l'arrestation de 2 personnes, Audelin Nelson, qui s'est concerné, et Jean-Louis Marcelin. Hier matin, bandits armés volaient un camion MAC, année 1997, de couleur verte, numéro Plaxa, c'était M38944. Qui tape transporter marchandises pour aller au Naïve. Sur route nationale numéro 1, la police joue une camion Sahara dans le Cafou, Fougui, qui est dans le Bois des Bouquets. Et gagne un échange de tir, gagne 3 présumés bandits qui étaient l'ouvrir armes avec la police, avec un patrouille. Et suite à l'échange de tir, ça gagne Jevenson François, un jeune de 20 ans, qui blessé mortellement malheureusement. Il est en possession d'un calibre pistolet, de un pistolet, pardon, de calibre 9 mm, et qui c'est ZAMSA falsifié, qui c'est ZAMSA Police Nationale d'Haïti. Et suite à mon mandat, il y a un avis de recherche que la police a lancé contre Émile Pierre Touchard. On a rappelé que samedi 15 mai 2021, j'ai trouvé le nom club qui au niveau des MAS 75, qui est le bar, qui lui-même, suite à l'altercation, on dispute avec le photographe, il tira les amis et gagné un policier malheureusement qui était tué lors de l'échange ça et côté que. Mandat ça qui est lancé des jeux. Et policier ça, que monsieur détruit tout ça, il est Jules Maurice, qui était dans sécurité rapprochée, ancien ministre culture à communication, Cadel Henriques. Côté que tu as plusieurs coups qui déplacent. Lors de fusillade. Suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui était fait dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, DCPJ, par intermédiaire de Interpol, a sollicité une notice rouge qui est équivalent à un mandat d'arrêt international contre Samir Bandal. Pour implication présumée dans l'assassinat président. Et c'est suite à notice rouge ça que le DCPJ a informé depuis vendredi que lui a pris un vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact DCPJ établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour le CBJ avec la Turquie
et le procédé d'arrestation Samir Andal. Et pour le moment, il y a trois agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Andal. À tout. Ça, c'est mandat de la justice haïtienne. Je vais mettre. Compris. Et c'est ça, c'est une notice rouge qui est équivalent à un mandat d'arrêt international. Il y a un d'accord. DCPJ arrêté le 14 novembre 2021. Cher Wilkins, qui était hospitalisé dans un centre hospitalier au niveau tabac, côté que nous avons soin, et suite à échange de tir que nous avons avec la police, dans le cadre de l'enquête, et pour le moment, sous contrôle des DCPJ. Également, la police possède l'arrestation Wenson Hippolyte, qui c'est lui-même un gang, qui était hospitalisé dans l'hôpital à Port-au-Prince. Et côté que et j'étais victime suite à échange de tir avec un groupe gang pareil. Côté que hier, la police a posé d'arrestation dans le centre hospitalier. Au niveau commissariat Croix des Bouquets, et commissariat Croix des Bouquets a été transféré à la DCPJ Guerlain Saint-Imé, 41 ans, est en possession de 218 grammes de marijuana au moment de la visite de la prison civile Croix des Bouquets. Et il était dissimulé dans un sandal vendredi 5 novembre se passé là. Et encore dans le cas de la police transférée, le commissariat et transféré à la DCPJ, via PLTS, Peterson Lindor, 26 ans, qui était en possession de 208 grammes de marijuana. Dans Gonaïve, la police possède l'arrestation Séance Felson, qui gagne 26 ans. Résilus François, qui vient 38 ans, M. Sao, tu as rançonné mon nom à chez Gonaïve. Et nous joignons avec M. Sao, un pistolet de calibre 9 mm qui s'est propulsé de NH. Et nous avons noté que Zam Sao, Nek Sao, est volé, car un policier, il y a de ça 4 ans. Au niveau de l'inspection générale, il y a ensemble de dispositions qui prend pour accompagner les policiers. Surtout policier qui a mobilité réduite et qui a un handicap moteur, chaise roulante, côté que disposition prend pour que tout ça, policier a gagné, qui pour lui, n'est pas déplacé pour lui prendre, mais l'inspection générale a dépêché nos équipes qui pour porter la caille, notamment sa l'aile. Et l'inspection générale tout, là, pour veiller justement à comportement policier. Également, il a tout pour que il veille tout à bien-être. Et troisième point, pour l'inspection générale, il y a un couloir de communication qui est aménagé avec l'organisme Droit Mounio. Parce que vous croyez que l'organisation qui a défendu Droit Mounio, c'est des acteurs qui sont très importants pour nous au niveau de l'inspection générale et pour permettre que signer des dossiers pour avancer plus rapidement. Et pour fin d'année, nous connaissons que c'est culturel chez nous. Côté que généralement, nous à l'étranger, et que ce soit côté aux États-Unis, en France, Canada, toujours venir passer moment ça à leur famille. Et déjà, c'est bon, on est en première réunion pour fait. Et au niveau on gouvernement, et le commandant chef a passé des instructions. Et il y a d'autres réunions justement qui viennent pour faire avant justement l'événement, et le grand événement ça va être le 24 décembre, également le 31 décembre, pour dire que généralement, il y a une population dense à travers les rues de Port-au-Prince, pour d'abord une présence policière et disposition ça prend avant, pendant et après, de manière pour que nous mettions la population elle-même en confiance et la profiter justement en termes radio, télévision, médias institutionnels et réseaux pour que nous disions à la population
nous toujours compter sur collaboration, parce que avec collaboration de population, hein, nous pouvons prévenir les barrières qui nous arrivent dessus. Et encore une fois, sécurité, pas simplement la police. Généralement, c'est un réflexe. Dès que une situation de sécurité, nous rapidement référer à la police. C'est vrai que la police est un élément extrêmement important en matière de sécurité, mais ce n'est pas les mêmes simplement. Gagner d'autres acteurs qui enchaînent sécurité ça, et c'est ensemble pour que nous sommes capables d'être ensemble, de développer un conseil d'action, ou ensemble pour que nous sommes capables de combattre les éléments qui liés à la question de sécurité, et tout pour que nous sommes capables de faire face ensemble à problèmes. Et nous avons un gros partenaire de la population. La police, c'est la population. Question. Et c'était que tu as gagné deux véhicules dans le Tara. Et l'une de couleur noire, l'autre de couleur verte, si je me rappelle. Et côté de l'autre, tu as demandé au campé, c'est le bas campé. Et puis, tu as gagné un échange de tir avec la police. Et l'information que nous avons gagné la dernière qui était blessé. Et papa, bon, on connaît que dès que vous avez même, il n'y a pas blessé au bout du mortel, donc il permet que nous nous place. Et si c'est des blessures, soit dans la tête, dans la jambe, il est capable, facile pour déplacer et monsieur va prendre la fuite. Et au niveau investigation, il a gagné un peu d'effort qui fait, et style a toujours un peu d'effort qui fait, de manière pour que remonter à ensemble de nos arrêts qui étaient dans Grand Vitara, deux Grand Vitara. Et on a dit tout que deux machines arrêts, ils ont été obligés d'abandonner. Et les machines arrêts, on pourrait jusqu'à présent, dans le commissariat, pour aller beaucoup. Dès que nous avons quitté les milliers, c'est une procédure et également son partenariat qui vient avec Interpol, parce que la police nationale a été faite par Interpol. Dès que nous avons quitté les milliers, et c'est pas simplement dans quatre dossiers et assassinat président et Jovenel Moïse. Mais c'est dans quatre tout dossier côté que des monde que la police, notamment la BCBJ, a pu chercher, qui quitte le pays, nous avons mettre le notice rouge qui, encore une fois, équivalent à un mandat d'arrêt international. Porte-parole, question pour distribution carburant. Ça qui passe dans la rue Jovia pour sécurité, distribution carburant dans la pompe. Bon, c'est une question d'actualité, nous avons dit, parce que un peu partout, à travers les rues de Port-au-Prince, et l'autre côté qui a des problèmes de gaz dans tout, et on voit qu'il y a un mouvement, et il y a pratiquement des machines qui prennent quand même des espaces, pratiquement la queue leu, pour que nous capables de gaz. Et nous connaissons que bien plus que combien ce-même côté de nous pas de gaz, et ça a provoqué justement et autant de présence, autant de véhicules. Nous avons demandé à la population hein, et surtout aux chauffeurs pour que nous soient capables de comporter en monde civilisé et agents et au niveau de la circulation pour que nous soient capables de mettre à l'aise et pour que la circulation soit capable de fuir parce que c'est vrai que au besoin de gaz, nous avons besoin de tout et nous avons besoin de nous attaquer leur activité. Bonne parole. Nous souhaitons bon retour. La population met des confiances pour passer Matisse en ligne. Nous connaissons qui problème nous a posé, c'est pas bien, on nous conscient de ça. Et la population qui a vu dans zone ça souffre de ça. Et il a même occasionné que le petit espace-là, il est allé déranger un peu. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Et nous, au niveau de la police, nous conscients et beaucoup de nous, et surtout, arrivés, nous vous commandons en chef là, arrivés tout. Vos commandements gagnent des stratégies qui aménagent, capables d'aménager de manière pour que nous sommes capables de permettre que la population ait même capacité de son problème. Encore une fois, je fais un flashback à la question de sécurité, parce que là il s'agit de sécurité nationale. La police, effectivement, son acteur va le mettre simplement. Et l'autre monde qui vient pour ouais, surtout dans le domaine ça, pour nous jouer avec nous. Pour nous dégager cette énergie d'action ça et pour que vous nous permettre que la population paisible, tranquille, qui vit dans une zone matissante et côté que gagne quelques bandits qui empêchent au bac de nos activités, ensemble, pour que nous mettons ensemble pour nous capables de déloger et même éradiquer de manière pour que
monde qui a circulé sans problème et l'automobile qui a circulé même à Vivalé. Dans toutes les questions qui sont avec le musée, le ministère de commerce lui a communiqué pour demander aux propriétaires des détecteurs pour gasoline, pour plus pour pas vendre gaz de galon. Et en plus, on estime que c'est ça qui provoque tout problème, ça, hein, qui fait que si toi, ailleurs, je fais un motocyclette dans la machine, il va gaz, normalement. Donc, il m'a dit, le ministère de commerce m'a dit pour l'autorité concernée, notamment la police, adopter des dispositions pour permettre que mesures ça respectées. Est-ce que la police paraît pour faire respecter mesures ça, gaz, carbone dans la et mon noir vendre gaz là, avant de exagérer devant le problème même. Deuxième question, quelle information nous gagnons pour les 17 Américains, 16 Américains au Canada qui jusqu'à présent n'ont même pas été capables de. Et la France est la deuxième question. On a été contacté et responsable de complètement. Et nous disons tout que nous toujours afin de suivre le César. On va être d'accord. Et en situation sérieuse, il s'agit de tout le monde. Et nous ne sommes pas capables d'élaborer n'importe comment. Et nous pensons qu'il y a une évolution dans le domaine là et nous souhaitons que nous restions en bonne santé et de manière que. Et bonjour, et pas trop loin, pas trop longtemps pour retourner sur le. Et concernant le gaz qu'on parlait, hein, bon, ce sont l'autre qui concerne le ministère du commerce, n'est-ce pas? Je pense que vous avez mis pour garder ici, et question ça, et autorité dans le domaine ça, mais nous autres, la police, nous toujours de préférence par la mouille pour que nous soyons capables de meilleur comportement, parce que dès que le gaz a fait dans le compte là, gagner, gagner. Gagner et type de comportement ça y est, que ça va provoquer et nous voyons des images déjà. On va s'éprouver son meilleur comportement pour que la population, surtout le monde qui va dans son gaz, qui va dans le gaz, qui a besoin de gaz autour, de manière pour qu'il soit capable d'agir en conséquence, de manière pour ne pas gagner de victimes. Merci, à la prochaine. Okay.